réflexologie, sophrologie, yoga, tai chi, feng shui. Il y a plein de méthodes pour se détendre, pour se vider la tête. Et Emmanuel, que l'on va rencontrer, a lui aussi une technique particulière pour s'évader, pour s'oxygéner, pour se faire plaisir tout simplement. Manu, bonjour. Bonjour Yann. Comment ça va? Très bien et toi? Écoute, je parlais de différentes techniques qu'on peut trouver pour se détendre. Moi, la mienne. Je crois que ça parle. Voilà. C'est la pêche à la truite. La pêche à la truite, on est où? On est au bord du Prunel. Au bord du Prunel, et on va dire entre Bastalicach et Tolle. Pour pas être trop précis, le pêcheur n'aime pas dire où il va pêcher. Ça fait longtemps que tu pêches? Ça fait, oui, bientôt 30 ans. Alors au début? Au début, c'est pour prendre du poisson, remplir la musette. Et puis avec le temps, ça change un peu. Parce que la pêche, c'est pas que prendre du poisson. Non. C'est vraiment découvrir d'abord des paysages sublimes, mais c'est aussi se vider l'esprit, plus penser à rien. C'est des grands moments de relaxation en suivant la rivière et ton chemin. On va essayer de remonter le Prunel, le pêcheur remonte pour ne pas faire peur aux poissons. Et on va adopter une technique aujourd'hui. On va pêcher au toc pyrénéen. En fait, c'est une technique de pêche au vapin naturel, on va pêcher au vert. Et la technique, c'est fil toujours tendu dans l'eau, pour laisser dériver l'appât le plus naturellement possible. On a la technique, on a le matériel, on a l'envie. Il manque une chose. La truite. On croise les doigts, on y va. Non. Tu te souviens de ta première truite? Ah, comment ne pas s'en souvenir, Yann? Ouais. C'était quand? C'était où? Bon, je devais avoir une dizaine d'années. Ouais. C'était où? Une dizaine d'années, c'était dans les Pyrénées ariégeoises, en montagne, dans un lieu qui ressemble un peu au pot, si tu sais, comme chez nous. Et c'était une belle truite, elle faisait 23 cm, imagine. C'était quoi comme truite? Ah, c'était une fario. Hein. C'était de la truite fario pyrénéenne, en fait la truite méditerranéenne. Mm-hmm. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? On est dans le Prunel, donc. On est dans le Prunel. On va trouver de la fario, de la truite fario. Hein. C'est la truite sauvage. Un ou deux? Ah Yann, regarde. Ah toi tu en mets quatre petits? Moi j'en mets quatre, mais vraiment des petits. Tu sais pourquoi? Pour que le fil et le... Pour deux raisons. Déjà pour éviter de casser, parce que ton gros plomb... Oui, ça va, j'ai compris. Va se fondre entre les rochers. Et ensuite, ça permet à ton fil, à ton appât, de se déplacer beaucoup plus librement dans l'eau et naturellement. Alors ça, on voit à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire pour être un bon pêcheur. On en parle un tout petit peu. Si tu veux, il faut savoir être discret. Déjà, commençons par ça. Donc, Le principe, c'est que si tu vois la truite... Normalement, elle t'a vu. Elle t'a déjà vu. Et si tu la vois de loin, bon, tu peux l'approcher. Mais voilà, la truite, elle est souvent face au courant. Je te laisse partir seul parce que malgré tout, la pêche, ça reste un sport de solitaire. Solitaire ou pas. Si tu veux te détendre, être vraiment tranquille, tu viens seul. Et quand on vient à deux, ce qu'on peut faire, c'est... On se sépare. Et on se retrouve pour... Pour un petit spontif en général. À tout à l'heure. Allez, merci Yann. Tout de suite. Ne les prends pas toutes, hein. Le moment du spoontine, le moment de la pause, c'est pas mal. Ça va être un moyen pour nous, je le coupe à la main. Ouais. Ça va être un moyen pour nous de parler d'une autre passion. Oui, c'est vrai. Alors la pêche, c'est la passion de 20 ans. Mmh. Et ça, c'est beaucoup plus récent. On va t'appeler Petit Scarabée. Ah, je vois que tu t'es renseigné. Tu es Petit Scarabée depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on t'a formé. Oui, j'ai été formé par un ami qui m'est très cher, que je peux citer, qui s'appelle Antoine Tramine, qui est un ami vraiment très cher, qui fait des couteaux. Et j'ai toujours adoré, moi, les couteaux. Et en fait, un jour, vraiment par hasard, j'ai osé lui demander « Est-ce que tu veux bien m'initier ?» Et à ma grande surprise... Ouais. Comment te vient l'idée d'un couteau? Est-ce que tu commences par la lame? Tu commences par le manche? Tu commences par un dessin? Tu commences par une envie? La première chose, ça va être de le dessiner, oui. Mm-hmm. De le dessiner, de trouver une forme qu'on trouve assez esthétique. Après, il faut lui adapter
les proportions pour que la lame puisse entrer dans le manche et autres. Et ensuite, c'est la lame. On démarre par la lame, vraiment, parce que c'est elle qui va guider la forme du manche. La forme du manche. Si on veut faire un couteau. La taille. Pliant, bien sûr. Pliant. Comme ça, par exemple, combien de temps à partir de l'idée jusqu'à jusqu'au produit fini? Pour un amateur, petit hobbyiste comme moi, ça, j'y passe bien une trentaine d'heures. Ouais. C'est bon. Quand on aime, on compte pas. Ah oui, c'est un plaisir. Et puis, il y a la forge entre amis, enfin, là, en l'occurrence avec mon ami. Il y a aussi tout le travail que tu réalises seul dans ton atelier, tranquille, détendu. C'est un peu comme la pêche. Il y a le moment où on est seul, détendu dans son coin, et le moment où on se retrouve pour manger un bout. Oui, complètement. Moi, depuis tout à l'heure, je mange, toi, j'ai vu. Encore. Allez, on attaque.